Ok, rendu ici, ce que je vais faire, parce que les slams évidemment peuvent sauter sur comme ça, je vais mettre une dalle. Je pense que j'en ai tout fait. J'en avais. Ah non, j'en ai juste une. Non, je vais m'en faire juste. J'en ai juste besoin de deux. Juste à me faire des dalles comme ça. Alors, comme ça, je peux mettre au-dessus des. Ça n'a pas d'importance, ça. Des torches ici pour éclairer. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'ils vont tous se ramasser ici. Et j'aurai juste à frapper dessus comme ça pour ramasser les slime balls qui va tomber. Évidemment, j'ai juste à me mettre ici ou dans l'autre coin. Ici pour les ramasser. De toute façon, ils vont se ramasser ici. Je peux faire aussi. Je peux la faire plus grande là ici. Je pourrais mettre d'autres dalles ici. Comme ça, je serais sûr de pouvoir tout prendre. Comme ça. Je pense que ça fonctionne. Je l'avais testé et ça fonctionnait dans mon autre monde. Ici, je vais peut-être élargir un petit peu plus là, pour avoir plus de. Oups, non, c'est pas ça que je voulais faire. Évidemment, je vais mettre de la vitre là pour pas que ça arrive encore à nouveau. Pour pas tomber. Alors, je vais couper la vidéo ici. Je vais remonter en haut là. C'était pas supposé arriver que je tombe. Et je vous relis. Bon, j'ai trouvé un autre problème. Alors, il faut faire comme d'habitude, dans le fond. Alors, je vais le faire comme c'est supposé d'être. Je pensais pouvoir sauver des items, mais va falloir que je le fasse comme d'habitude. Alors, je vais aller chercher du sable des damnés. C'est du soul sand en anglais. Et je vais faire comme vous avez pu voir, j'ai fait des barreaux de fer. Alors, je vais descendre en bas et je vais corriger ce que j'ai besoin de corriger parce que. Ah, il y en a un qui est pas capable de monter, mais c'est pas grave, la plupart ils montent. Mais la plupart vont mourir. Hein, tu sais, il est en, vous avez vu, il est en train de monter. Bon. Alors, la plupart, ils réussissent à sauter et meurent, hein, évidemment, en touchant de la lave. Alors, ce que je vais faire, je vais l'enlever de là, là. Je vais corriger cette partie. Alors, ce qu'on fait, c'est du sable des damnés ici qu'on l'on met. Et ce qu'on va mettre ici, j'espère que ça coulera pas. Non, ça coule pas. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre. Oups, j'ai pas mis les barreaux. Les barreaux que je vais mettre ici. Bon, il y en a un qui s'en vient. On va pouvoir le tester. Oups. Alors, les barreaux comme ça. Ça devrait fonctionner. Et on va l'enlever de là. Alors, c'est la correction que je dois apporter. C'est la façon, comme je vous dis, de Dataless 822, qui est un YouTuber américain. Pas américain, australien, mais anglophone. Alors, il le fait comme ça. Je vous mettrai le lien dans la description. Alors, ça devrait fonctionner. Là, j'aimerais peut-être voir les slimes monter. Enfin, je l'espère. Parce que là, je ne sais pas ce qui fonctionnerait pas. Car tout est supposé être correct. Alors, là, je testerai comme ça. Je vais le laisser comme ça. Ce que je veux faire aussi, ça va être mes pistons. J'aurai besoin de mon poids. De la pierre cobblestone qui est ici et bon, ça ici je vais vous montrer comment qu'on le fait. Qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai du iron, j'ai besoin du redstone. Alors c'est simple, c'est pareil comme les pistons qu'on fait. On en fait un piston régulier comme ça et comme ça. Alors, je vais en faire deux. Et ce qu'on fait pour faire un sticky piston, c'est juste rajouter de la slime. Alors, c'est un piston collant. Je vais le mettre ici. Ce que je veux faire, c'est faut que je l'enlève. Faut que j'enlève ça ici. Il faut que je le mette. Là, ça va être difficile, par exemple. Je sais pas s'il va le placer comme il faut. Non, c'est ça. Il faut que je le mette de l'autre sens.
Comment je pourrais faire? Je sais pas si je le mets le plus haut possible ou le plus loin. Je vais le mettre le plus loin. Non. Ok, il va falloir que j'enlève l'eau ici pour l'instant. J'ai ma chaudière qui est ici. Je vais juste l'enlever temporairement pour pas que ça déborde partout. Et ce que je vais faire, je vais le mettre. Oups. Je vais le mettre à l'intérieur ici. De l'intérieur, ça devrait fonctionner. Alors, je mets mon piston comme ça. Ok, c'est ça. Je vais faire la même chose de l'autre côté. J'enlève ça. J'enlève ça. Ici, je vais enlever ça. Quand je vais mettre. Je peux descendre ici. Je pense que ça va fonctionner. Ouais. Je vais faire ça comme ça. Je vais mettre ça là. Je vais mettre ça là. Dans le fond, je vais tout changer ça tout de suite. Ah non, je ne vais pas perdre mon échelle. J'ai remarqué que il semble avoir des cycles de slime. Alors, je pense vraiment qu'il prend le cycle de la lune, là, même si on est bas dans le. Oups, je pense que j'en ai plus. Non, faut que j'aille en chercher. Oups. Ah, je peux plus sortir. Ok, on va mettre ça ici d'abord. Ok, je pense qu'on va le refaire après. Ok, 8, je devrais en avoir assez. Je vais replacer mes échelles. Et voilà. Et ici, je laisse ça libre. Je vais me sortir tout de suite. Comme ça. Et comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est quand je vais activer mes pistons ici, je vais placer une manette. Là, je vais arranger ça là, pour pas qu'on le voit. Je vais peut-être mettre une dalle jusqu'au bout. Je vais aller placer ma chaudière. Dommage, je suis pas capable de monter. Bon, on va se faire un trou. Et voilà. Ça. Et mes deux dalles qui sont. Oups, je n'ai juste une. Ok. Ce qui fonctionne pas, c'est mon panneau ici. Et voilà. Ok. Ce que je veux faire maintenant, je vais activer mon piston. De la manière que je veux faire. Ah, j'aurais pas de. Ah, mais j'ai deux bâtons. Alors, je peux faire mes deux torches. Non, on va faire, je vais le mettre en haut. Hein. Non, je vais le mettre en dessous. Comme ça, on ne le verra pas. Comme ça. Même chose de l'autre côté. On peut faire de l'XP. Ce que je vais faire aussi. Peut-être je vais faire ça d'une autre façon. Comme ça, si je l'active, il faut que je passe ma redstone. Ok. Si je veux descendre de 1. Enfin, je vais faire ça comme ça. Je vais passer ma redstone. Je pense que j'ai une autre pioche dedans. Je vais prendre ça. Ok. Ma redstone.
Alors, ce que je vais faire, je vais me faire une manette qui va l'activer ou désactiver ma redstone ici. Je suppose que je vais le partir, là. Je vais peut-être le partir ici. De ce côté-ci, si je le mets. Je vais avoir. J'ai pas vraiment réfléchi comment je vais le mettre, là. Mais je vais essayer de mettre ça assez bien. Si je le mets ici. Je vais m'agrandir un peu. Ok, en attendant, ce que je vais faire, je vais juste le placer juste pour dire que ça fonctionne. Si je fais ça comme ça, on va se faire une manette qui est. Il va faire des bâtons. J'en ai plus. Non, j'ai plus de bâtons. Alors, je vais me faire 4 bâtons. Si je me souviens, c'est comme ça. Non, pas comme ça. Non plus. Attendez, je m'en souviens plus. Oups. Je crois. C'est comment déjà? Ah oui! Cobble. J'étais trompé. Alors, j'ai une manette ici. Ça, je n'aurais plus besoin. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, ok, c'est ça. Ça fonctionne. C'est ce que je vais faire. Ok, pour l'instant, on va mettre ça comme ça. Juste pour dire. Ah, on a des. Et voilà, on en a qui s'en viennent. Comme vous pouvez voir, ils ne pourront pas passer dans le trou. Et si je veux faire de l'XP. Bon, ici, je peux fermer ça en attendant. Je vais fermer ça comme ça. Mais ça va être mieux arrangé plus tard. Vous voyez, comme ça, je fais ça. Je fais ça. Alors, je ramasse mon XP et je peux ramasser aussi de la slime s'il y en donne. Ça, je n'ai plus besoin. Ça, je pourrais mettre des dalles. Si je mets une dalle, ça coupera pas le lien. Tandis que si je mets un bloc complet, ça va couper le lien de la redstone. Alors c'est ça. Alors ça va être mon cubicule. Ici en dessous, je vais mettre. Je vais peut-être me faire un petit escalier quelque part ici pour descendre en bas pour mettre des coffres et tout pour ramasser. Évidemment, quand on n'est pas dans la. Quand on n'est pas prêt à faire de l'XP, tout ça, on a juste à laisser les. Ouais, c'est ça. Comme ça. Si j'allume. Il fonctionne pas. Ah non, c'est vrai. Je peux pas faire ça comme ça. Parce que là, l'énergie passe là. Faut que je l'envoie. Ah, faut faire tout, je change. Mauvais design. Désolé. Je peux pas être parfait tout le temps. Je fais beaucoup d'erreurs, mais c'est pas grave. Bon, c'est ça, faut que je l'amène à celui-là. Comme ça. Là, ça devrait fonctionner. Je devrais faire la même chose de l'autre côté. Bon, je vais enlever ça encore. Ça, j'enlève ça. Et je le mets comme ça. Évidemment, c'est un design rapide, là. Je pourrais le faire mieux que ça. Mais je vais. Comme ça. Ok, là, ça devrait fonctionner. Juste pour tester. Ouais, non, mais là, il va falloir que je change ma manette de place, évidemment. Et mettre, mettons si je le mets ici. Et voilà. Et je mets ma manette ici. Là, ça devrait fonctionner. Bah, et voilà. Là, il devrait être ouvert. Oui. Et voilà. Le piston n'est pas extensionné car on fait le circuit est inversé ici.
il n'y a plus de courant pour activer le bloc qui active le piston. Alors, si je rallume dans le fond, je rééteins la manette. Ici, la redstone s'allume et le piston est activé. Alors, je vais arranger ça plus beau. Je vais agrandir et je vais mettre ça, je vais couvrir tout ça et je vais vous revenir par la suite.